Salut à tous, ça y est, on a quitté mes parents pour reprendre un van entre Adélaïde et jusqu'à Melbourne. Et voilà notre van pour 5 nuits. Il est plus grand que l'autre, on a plus de place, il y a plus de, genre un micro-ondes. Et déjà on peut se tenir debout, c'est déjà un luxe. Et là on a fait une balade vers Portland pour aller voir des otaries à fourrure. Ce qui est bien en Australie, ce qu'on a vraiment adoré dans tout ce voyage, c'est toute la faune qu'il y a, tous les animaux. On peut croiser plein de sortes d'oiseaux, des koalas, des otaries, des kangourous. Enfin vraiment c'est sympa, à chaque balade qu'on fait on voit des animaux différents. Mais là voilà, on va partir à partir de demain je pense, sur la fameuse Great Ocean Road. Donc ça devrait être sympa, et voir de beaux paysages encore. Ah, et on nous a dit que c'était la saison des mouches aussi depuis mi-octobre, donc malheureusement on est en plein dedans. Bon, dans le désert il y en a eu pas mal, ici il y en a encore. C'est vrai qu'on s'en débarrasse pas, on pensait pas quand même qu'il y en aurait jusque là. Donc bon, c'est un peu chiant, mais en même temps c'est peut-être pas plus mal de venir à cette période. Donc là on est début novembre et en fait il y a beaucoup moins de touristes et il fait déjà bien chaud quand même, et encore on n'est pas en été hein. Donc bon, malgré les mouches on gagne ça. Voilà, c'est ce genre de rencontre qu'on aime quand on se balade en Australie. Il mange tranquillement. Malheureusement on fait la Great Ocean Road sous la pluie, donc les photos seront peut-être moins sympas et on pourra sans doute pas faire décoller le drone, mais bon, les paysages restent jolis, donc on n'est pas déçus. On a la plage pour nous. Thank you.
d'apprécier autant le paysage, de jongler entre les gens et ceux qui veulent prendre des photos, tout ça. C'est compliqué. Ça y est, on est à l'aéroport, on va quitter l'Australie. J'ai pas beaucoup filmé à Melbourne parce que c'est vrai que j'ai été un peu moins fan de la ville que Sydney et les autres. Donc là on va changer de pays, on part pour la Nouvelle-Calédonie. Et au final, ce qu'on s'est dit à propos du van, c'est que c'était pas si économique que ça comme formule, parce que donc déjà ça coûte plus cher que de louer une voiture. Et en plus l'essence, là, le deuxième qu'on avait, il était assez gros, donc on a mis beaucoup d'essence. On en a eu pour 200$ d'essence pour faire 800-900 km. Et puis les campings aussi, je pensais que ça allait être moins cher que ça, parce qu'on payait en moyenne pour deux 50$ la nuit. Donc ouais, je m'attendais à ce que ce soit mieux. Alors là en Nouvelle-Calédonie, on a loué surtout des Airbnb parce que j'ai pas le matos pour la tente, pour du camping, et on a plus de van. Et ouais, du coup en Nouvelle-Zélande par contre, on verra ce qu'on fera, parce que j'ai pour l'instant rien réservé. Donc je sais pas si on louera un van ou si on fera des Airbnb, on verra. Merci en tout cas de m'avoir suivi pendant toutes ces vidéos en Australie. Là, comme vous pouvez le voir derrière moi, si c'est pas trop lumineux avec le soleil, je suis bien arrivée en Nouvelle-Calédonie. Donc si ça vous intéresse, moi je vous invite à me suivre pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt.